Bon, on est d'accord les gars, hein. Vous m'aidez à meubler. Et à chaque mot compliqué, je gagne du temps et vous me trouvez la définition. Mais oui, c'est bon, t'inquiète. Par contre, t'oublie pas ta mission première, il faut à tout prix qu'elle te parle de Goldman. Et le faire venir à la radio. Ouais. Allez, file ton genre. Ah non, vous commencez pas avec les trucs que je connais pas. Ok, 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 ça marche. Hey, salut. Salut. Ah, t'es super bien habillée pour une fois. Merci. Enfin, je suppose. Tu veux du vin? Oui, merci. C'est une médaille d'or 2015. C'est drôle parce que or, en anglais, ça fait gold. C'est pas un peu cocasse comme situation? Hein? Marrant. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Ça va? T'as l'air un peu stressé. Non, tout va bien. Pense Goldman, mec. Et toi, tu veux faire quoi dans la vie? Oh bah, je sais pas encore tout à fait. Peut-être de la radio, mais je veux voyager avant. Découvrir des nouvelles civilisations. Civilisation? Merci, je sais ce que ça veut dire, civilisation. Quoi? Non mais j'en doute pas, hein. Ah, non, c'est pas pour toi, c'est pour moi, enfin, je me disais ça. Et ouais, donc, tu me disais que, en quelque sorte, tu voulais aller au bout de tes rêves. C'est un peu ça, ouais. Et toi? Oh, bah, moi, tu sais, hein, j'irai où tu iras. Relance Jean-Jacques. Ouais, et donc, toi, par exemple, si t'avais des enfants, tu les appellerais comment? Parce que moi, j'aime bien le prénom Jean-Jacques. Tu veux des enfants? Ah non, c'est pas moi. C'est... Parce que hier, j'en discutais avec ma sœur. Tu sais, la petite Marie. Mais non, c'est Cabrel, ça. Mais non, c'est Jean-Jacques. Allez, continue, gueule. Ouais, donc... Tiens, je te donne des cacahuètes. Moi, j'adore ça, les cacahuètes. Je sais pas, toi? Ah si? Comme toi? Et si c'est pas confidentiel, tu penses que ce serait une bonne idée de partir là-bas? Bah, ça dépend. Mais puisque tu pars dans cette direction, je dirais oui. C'est bon, elle a capté. Vas-y, maintenant, enfonce le clou, cœur, enfonce le clou. Tu m'as comprise, alors? On dirait bien. Et tu crois que ça serait pas trop cheap, ici? Enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Tu vois, le canapé pourri... Ouais, il tiendra bien encore un matin. Test, test. Et si j'étais né en 17...